C'est un départ pour aller faire la piste cyclable, le parcours des Anses. Le GPS nous guide à travers les pistes cyclables dans les rues de Lévis pour rejoindre le parcours des Anses. Nous tournons à gauche et nous voici rendus sur le parcours des Anses. La tradition veut que les couples s'arrête sur le bord du pont pour accrocher un cadenas après une maille de la clôture et jeter la clé pour sceller leur amour pour toujours, ce que nous avons fait. Sur la gauche, deux magnifiques peintures qui ont été réalisées sur ces immenses réservoirs. Nous allons traverser maintenant la passerelle qui enjambe l'autoroute. On se prépare à aller prendre la traversée Lévis-Québec. Évidemment, il faut payer notre droit de passage sur le bateau.
Le préposé nous avise qu'il faut se dépêcher à se rendre au traversier, car nous sommes les derniers, sinon le bateau ne nous attendra pas. C'est maintenant l'embarquement sur le bateau. Nous nous préparons à traverser le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à Québec. Bien sûr, un employé du bateau vérifie si nous avons nos billets. Tout est en règle, nous pouvons traverser. Jacqueline et moi, nous traversons maintenant le fleuve pour se rendre à Québec avec nos amis Odette et Benoît. Nous profitons de la vue de cette magnifique journée. Nous pouvons apercevoir à gauche le château Frontenac. Ben en a une vue magnifique. Nous apercevons sur la droite le bateau de la croisière AML et le château Frontenac qu'on peut voir tout en haut. Nous sommes maintenant arrivés, on se prépare à débarquer à Québec.
Thank you.